pas super joyeux. Je sais pas si t'es au courant, mais des funérailles, c'est jamais fun. Bah ça va, excuse-moi, c'était ma première crémation, j'ai pas l'habitude. Ça fait bizarre de voir le cercueil s'enfoncer dans le four comme s'il passait les mâchoires de l'enfer. Tu veux pas la boucler, s'il te plaît? C'est de mauvais goût, Vendrazik. Pardon, je savais pas que t'étais le maître du bon goût. Ah bah plus que et s'il vous plaît, vous pourriez pas la fermer un peu? Drazik va finir par vous entendre. Et il a besoin d'autre chose que de vos Jérémias en ce moment. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Je sais rien du tout. Qu'est-ce que tu veux dire, de toute façon? Comportez-vous en copain, ça suffira. Merci, c'est vraiment sympa d'être venu. Mais pas de quoi, Drazik. On trouve ça tout à fait normal. La cérémonie était très bien. Ouais. Le prêtre a dit des choses très jolies. Non, il m'a fallu un petit moment pour comprendre qu'il parlait de mon père. Qu'est-ce qui vous arrive, les gars? On dirait que quelqu'un est mort. Faites pas cette tête-là, on n'y peut rien, c'est comme ça. Tu veux qu'on aille surfer un coup? Ça te permettra peut-être de te vider la tête de tout ça. Non, non, merci, non, c'est sympa, mais je préfère rester Drazik, un peu seul. Regarde. La cérémonie est déjà finie. Je suis désolée, Drazik, j'aurais tant voulu pouvoir être là. Comment ça va? Bon, à plus, les gars. Ouais, et je passe te voir tout à l'heure. Hé hey! Comment ça va, ma beauté? Salut. Mais tu me dis jamais bonjour comme ça, moi. Parce que j'ai peur d'attraper des boutons. Ah non, t'as tort, ça serait super joli avec ton acné. Vous avez vu dans le journal? C'est celui d'aujourd'hui? Ouais. Oh, cool. Je pourrais voir les résultats de foot après. L'autre jour, j'ai parié $20 avec Franck que Marconi battrait Sydney hier en demi-finale. Non, s'il te plaît, j'étais là, t'as parié $5 et c'est tout. Laissez tomber le football, les gars, il y a plus grave. Regardez, le gouvernement veut rabaisser le budget de l'éducation publique de pas moins de 40 millions, alors qu'on manque déjà de fonds. Oh, c'est terrible. Ah, c'est affreux. Je peux avoir les BD? Vous vous rendez compte que s'ils arrivent à faire passer ça, alors nos frais de scolarité augmenteront d'au moins 20%. Fais voir ça. Ah non, c'est pas possible, ils peuvent pas nous faire payer d'inscription, c'est un taudis, cette école. Mais de toute façon, on n'a pas payé quoi que ce soit, c'est à ça que ça sert les impôts. Évidemment, les politiciens, eux, ils ont assez d'argent pour envoyer leurs gosses dans le privé, financés avec nos sous, d'ailleurs. Ce qui est proprement scandaleux. Ouais. Et encore, on sait pas tout. Il se peut que ces restrictions nous privent d'un tas d'activités scolaires. C'est déplorable, vraiment. Non, mais c'est pas croyable, ça. On perd sur pénalty à 3 minutes de la fin. Marconi, c'est vraiment une équipe de bras cassés. Marc, quoi? Les coupes du budget. Un pénalty à 3 minutes. Allez, tous à vos places, installez-vous et veuillez ouvrir vos livres de poésie, page 27, sans perdre de temps. On a encore de la chance d'avoir des livres de poésie, vu comment le gouvernement diminue le budget d'éducation. Oh non, pitié, la voilà qui recommence. Quelqu'un pourrait la débrancher, s'il vous plaît, avant qu'elle disjoncte. La ferme, Denis, s'écrase. Vous avez lu le journal de ce matin, monsieur? Oui, je suis au courant pour les restrictions budgétaires, Tania. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, alors rangez-moi ce journal. L'article dit qu'à cause de ces coupes, les élèves seront 2 fois plus par classe et auront 3 fois moins de professeurs. Ouais, cool. 3 fois moins de professeurs. Le paradis sur Terre. C'est ça, mais je serais curieuse de voir vos têtes quand vous apprendrez que les cours de gym auront sauté parce qu'il n'y a pas assez de sous pour payer les équipements. Je mènerai le mien d'équipement. Ah ouais, parce que t'as un terrain de foot chez toi. Ouais, j'ai même un arbitre avec. Si ces restrictions budgétaires sont effectivement appliquées, elles ne prendront pas effet avant l'année prochaine. Donc aucun d'entre vous n'aura le malheur d'en souffrir. Ouais, à part Denis, tout le monde sait très bien qu'il va repiquer sa terminale, monsieur. T'as pas froid aux yeux, cowboy? Ou tu sais pas à qui t'as affaire, peut-être? La question n'est pas là, monsieur. D'autres élèves en souffriront et ça, c'est pas normal. Et nous tâcherons de régler cela si jamais le problème se présente. Dans l'immédiat, il est totalement inutile de vous inquiéter pour une décision à laquelle nous ne pouvons rien. Mais tout le monde a droit à une scolarité décente, c'est vrai. Tout à fait, c'est d'ailleurs pourquoi je vous demande de ne plus perturber ce cours. Exactement. Si tu permets, Tania, on aimerait étudier tranquille, d'accord? On vous écoute, Alan. C'est page 27, c'est ça? Bien, surtout procédez bien étape par étape, comme je vous l'ai dit. Allez-y doucement et faites attention. N'oubliez pas que vous manipulez des produits qui peuvent être dangereux pour vous. Mais c'est l'enfer, ce truc-là! Ça schlingue! Ah bon? Je croyais que ça venait de toi, Denis. Alors là, je suis vraiment mort de rien. Attention, je vous rappelle un détail crucial. Ne mettez qu'une petite quantité d'oxyde de cuivre et ne le liquéfiez pas complètement, sinon vous n'obtiendrez aucun résultat. Excellent travail, Tess. Merci, mademoiselle. Merci, mademoiselle. Ensuite, une fois que vous aurez laissé refroidir la solution obtenue, un mélange de couleur bleue devrait apparaître. C'est ce que l'on appelle de l'hydrate de cuivre sulfaté. Laisse-la tranquille, Jane. Occupe-toi de tes oignons, Denis. C'est naze ce que tu fais. T'as quelque chose à me dire? Qu'est-ce que tu veux? Un débile mental a acheté mon crayon ici, je viens le récupérer, j'ai pas envie que tu me le voles. Ouais, c'est ça. Et fais bien attention avec ces trucs-là, ça peut faire de gros dégâts au contact de la peau. Ah, c'est pas passé loin. Qu'est-ce qui se passe ici? Je donnais un petit coup de main à Tess pour l'expérience et c'est énervé d'un coup. Tess? C'était un accident, mademoiselle. Non, pas du tout. Elle a essayé de balancer ce truc-là sur moi. Non, mais ça va pas. Vous n'êtes plus à la maternelle. Vous êtes au courant. C'est à elle qu'il faut le dire. C'est elle qui passe son temps à réagir comme une gamine. Écoutez, que ce soit clair, vos petites histoires, je m'en moque. Tout ce que je veux, c'est vous voir toutes les deux après les cours en retenue. Maintenant, vous nettoyez ça en faisant attention.
C'est ta faute. Bien. Concentrez-vous sur ce que vous faites. Hé. Hey. Salut. Dis donc, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure avec Jen? Je sais rien, elle doit être de mauvais poil aujourd'hui. Pourquoi tu la laisses s'en tirer comme ça? T'aurais dû dire à Cassie ce qui s'est vraiment passé. Ce n'est qu'une retenue, Denis, ça va pas m'empêcher de vivre. Mais tu rigoles? Jamais j'accepterai une punition si j'ai rien fait. Je n'entrerai pas dans son jeu. Si elle veut se comporter comme une idiote, ça la regarde, non? Je crois surtout que t'aurais dû lui coller un bon crochet et l'envoyer au tapis. Franchement, tu me vois lui mettre un coup de poing sur le nez? Non, vise plutôt la bouche, tu peux pas la manquer vu la taille. Non, laisse pas te chercher sans répondre. D'accord. Je veux voir comment tu cognes, vas-y. Non. Vas-y. Vas-y, au moins direct, allez, cogne, vas-y. Ah bah laisse tomber, allez, salut. Je te demande pardon d'être réapparu comme ça, Drasik. J'aurais dû te téléphoner avant. Toutes mes condoléances pour ton père. Pourquoi? Je ne connaissais même pas. C'est vrai, mais je te connais, toi. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Non. Mais est-ce que ça va, moi? Ça n'a pas dû être facile, ces temps-ci. Et en quoi ça t'intéresse? Je crois que je serais là si je me moquais complètement de ce qui peut t'arriver. Eh ben, je suis flatté de ton intérêt. Écoute, si tu peux pas me voir, je comprendrai tout à fait. Mais dis-le-moi. Je pensais que la présence d'une amie te ferait du bien. Je suis désolée. Je ne voulais pas compliquer les choses en venant ici. Je vais te laisser. Ouais, c'est toujours comme ça que tu résous tes problèmes. Dis-moi exactement ce que tu voudrais que je fasse. Rien du tout. D'accord? Je te demande rien du tout, Anita. En dérapant. Je me suis les gars, fait vous signez là, s'il vous plaît. J'ai cru passer sous quoi. Je fais une pétition contre les restrictions de budget. Je la déposerai au ministère. T'es encore là-dessus, toi? Mais tu fais un blocage, ma parole. Je me bats pour un monde meilleur, Denis. Ouais, mais ici, c'est une école, alors t'arriveras jamais à l'améliorer. Ouais, change de disque, tout le monde s'en cogne. Je trouve ça plutôt comique que vous vous moquiez à ce point de l'éducation, alors que vous êtes parmi ceux qui en ont le plus besoin. Ah, oh, alors que toi, t'es parfaite, hein, Tania. Au fait, t'as pas peur de choper un peu la grosse tête à force? Allez, signe la pétition. Mais j'en ai rien à taper de ton truc. Tania, arrête, s'ils n'ont pas envie de la signer, ils ont pas envie de le faire, c'est tout. Voilà. Ils mettent en démocratie, ils font ce qu'ils veulent. Bien sûr, si ça leur plaît de baisser les bras sans jamais rien dire, mais faudra pas vous plaindre après. Non, c'est promis, on se plaindra de rien. Tiens, j'ai fait des copies de la pétition. Ouais, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Tu vas faire la bibliothèque et la salle des profs. Je suis sûre qu'il y en a plein qui accepteront Tania, de soutenir notre cause. Tania, je t'en prie. Arrête, t'es pas sérieuse. Ouais, bien sûr que si. Ouh. Vous pouvez vous approcher un petit peu, s'il vous plaît? Dépêchons. C'est plus intime. Très bien. Je voudrais que tous les bureaux de cette salle soient nettoyés et désinfectés. Mais je croyais qu'on restait juste sur nos chaises. Non, je préfère que vous soyez productive. Et puis, c'est nettement mieux pour vous. Comme ça, le temps passera beaucoup plus vite. Et pendant que vous y serez, profitez-en pour effacer le graffiti sur la porte, s'il vous plaît. Eh, hey, mais attendez, c'est un boulot du diable, on va y passer l'après-midi là-dessus. Oui, mais avec un petit peu de chance, ça vous permettra peut-être d'apprendre à mieux vous entendre. Qui sait? Si ça se trouve, vous avez un tas de choses en commun. Par contre, si vous vous entretuez, nettoyez le sang après. À plus. Surtout, n'espère pas qu'on s'entende un jour. Tu peux t'accrocher. Jem, on ne pourrait pas oublier ce qui s'est passé entre nous jusqu'à présent. C'est ça, un rêve. C'est complètement ridicule tout ça. Pourquoi est-ce que tu me hais à ce point-là? Ah, d'accord. Par où commencer? Je déteste ton look. On dirait une mongole. Et cette façon que t'as de parler aux gens, ça m'énerve. Et ces trucs ridicules de sorcellerie que tu colles partout, c'est naze. En fait, tu fais tout pour attirer l'attention. C'est navrant.
Tu veux que je continue? On finit ce qu'on a à faire et ensuite chacun de son côté, d'accord? Il faudrait que tu disparaisses de la surface de cette planète pour que je sois calmée. Allez, vas-y, Marco! Mais vas-y, putain, j'y crois pas, lui. Et hop, plus de ballon. Marc! Allez, au revoir, au revoir. Marc! Et Marc, y'a ta grossesse qui te cause. Oh, le con! Ouais. Tu te rends compte que tu viens d'arrêter une des plus belles actions de l'histoire du foot? Désolé, je veux juste la pétition, je la dépose au ministère cet après-midi. Ah, la pétition? Ouais. Mais qu'est-ce que tu fous? Allez, c'est reparti, mets-toi là-bas. Oh là 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 là. Il n'y a aucune signature? Ouais, je sais, je suis vraiment navré, mais j'ai été comme qui dirait distrait par les autres. Marc, c'est plus important qu'un petit match de foot entre copains. Ouais, je sais très bien. Seulement, je crois pas que le ministre de l'Éducation écoutera ce que des gosses comme nous auront à lui dire. Ils s'en moquent. Si on fait rien, il y a peu de chances qu'ils écoutent. Eh, Marc, tu papotes ou tu joues, mec? Et c'est bon, j'arrive, une minute. T'as même pas fait l'effort de me trouver une personne pour signer ça? Bon, écoute, Tania, tu veux une signature? Donne. Tu vas l'avoir. Une seconde. Voilà. T'es contente? Et surtout, dis-leur bien au ministère de la conserver avec soin. Dans quelques années, cet autographe vaudra une fortune. Hein? Crois-moi. Dis-leur bon, bien. Allez, t'arrives. Voilà. Attention, les mecs! Denis! Denis! Ouais! Vas-y! C'est bon! Oh, cours, mon pote! Où est-ce que tu vas, Jem? J'ai des trucs à faire. De toute façon, ça te regarde pas où je vais. Tu n'as nettoyé qu'un seul bureau. Mademoiselle Cassis a dit qu'il fallait tous les faire. Oh, Mademoiselle Cassis a dit... Tu sais que t'es vraiment une bouffonne, Tess. C'est à pleurer tellement tu crains. C'est pas très malin de t'en aller de cette façon. Tu risques de le regretter. On verra bien. Oh, non, quelle maladroite. Dis, ça t'empête pas de ramasser, t'es mignonne, hein? Où allez-vous comme ça, mademoiselle? Je suis venue voir le ministre. Le ministre ne reçoit pas le public, mademoiselle. Je ne suis pas une espèce de cinglée qui veut un autographe. J'aimerais lui faire part de certains griefs à propos des restrictions budgétaires. Alors veuillez me laisser passer, je vous prie. Écoutez, vous perdez votre temps. Contactez sa secrétaire et dites-lui que je le demande. Je ne partirai pas sans lui avoir parlé. Vos enfants vont à l'école publique, j'en suis sûre. Vous trouvez normal que le gouvernement leur refuse le droit à une éducation décente? Je n'ai pas d'enfants et je m'en contrefiche. Oh, c'est vrai, alors qu'est-ce que ça peut vous faire de me laisser passer? Il faut absolument bon, que je le voie. Maintenant, tu dégages, sinon tu vas avoir de gros problèmes, c'est compris? Il faut qu'on discute, Drazik. Non, j'ai pas envie de discuter. D'accord. Ça t'embête pas que je me sois à côté de toi, Omar? Non, tu fais ce que tu veux. C'est ton père? Ouais. Je trouve que tu lui ressembles. Je trouve qu'on n'a rien en commun. T'as pas envie de conserver quelques souvenirs de lui? Non, vaut mieux tourner la page une bonne fois pour toutes et oublier le passé. Tu ne peux pas. Tu ne pourras jamais l'oublier, Drazik. Lui, ça l'a pas tellement gêné de m'oublier quand ça l'a arrangé. Tout le monde commet des erreurs, tu sais. Il faut savoir pardonner. Ouais, pour s'en reprendre encore plein la tronche, c'est ça? Drazik, je sais que tu m'en veux beaucoup, mais je t'en prie, ne joue pas à ce jeu-là. Non, je t'en prie, commence pas. Écoute, enfin, je sais que je t'ai fait du mal et j'en suis vraiment navrée. Mais ça ne veut pas dire que je me moque de ce qui peut t'arriver. Tu peux me détester, me crier après, tu peux me faire ce que tu veux. Je serai quand même là. Et je m'inquiéterai toujours pour toi. Mm-hmm.
Oui, dans un quart d'heure environ. Oh, pardon, monsieur le ministre. Je peux vous déranger quelques instants, s'il vous plaît? J'étudie au lycée de Hartley, j'ai entre les mains une pétition de gens s'opposant aux coupes de budget de l'éducation. Monsieur le ministre se rend à une réunion importante, alors si vous permettez... Ça aussi, c'est important. Nous avons de sérieux griefs à lui soumettre. Nous? Je ne vois personne d'autre que vous. Tous les noms figurent sur la pétition. Jetez-y un œil. Nous attendons des réponses. Nous n'arrêterons qu'après les avoir obtenues. Si vous vous inquiétez tant pour votre éducation, allez donc vous plonger dans vos bouquins au lieu de perdre votre temps ici. T'as regardé le match hier soir? Ouais. T'as vu Vieri, hein? Quand il a passé deux défenseurs avant de placer un tir en pleine lucarne, ouais. Le goal a pas fait un seul geste. C'est vraiment le meilleur avant-centre en ce moment. Personne ne lui arrive à la cheville, il est au-dessus de tout le monde. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle nous a... Salut, ça va? Et qu'est-ce que tu fais là-haut? T'avais raison pour le ministre. Elle est géniale. Il se fiche de la pétition, il a même pas accepté de me parler. Alors j'ai décidé de passer à l'action. Je ne bougerai que quand il acceptera de discuter. Elle a pété les plombs. Je commence sérieusement à me poser la question. Vous montez me rejoindre? Désolé, mais j'ai le vertige. Oh, ma pauvre biche. Tu viens, Marc? Désolé, ma puce, j'ai vachement de trucs à faire, mais peut-être plus tard. Ouais, d'accord, mais sois pas trop long. Plus on sera ici, mieux ça vaudra. D'accord. Ouais. Tu promets? Ouais, promis, juré. Tu vas vraiment monter? Mais tu rigoles, j'irai jamais. Mademoiselle, je vous avais pas vue. Ne me dis pas que tu es restée ici toute la nuit. Ah non, je suis venue un peu plus tôt ce matin. On n'a pas réussi à terminer hier soir, il y avait plus de travail que prévu. Mais où est passée Tess? Je sais pas. Mais normalement, vous deviez faire cette punition à deux. Oui, on devait effectivement se retrouver ici ce matin, mais elle a pas dû se réveiller. Oh, c'est pas grave de toute Moi, façon. Moi, je trouve que si, je pense qu'elle aurait dû venir pour t'aider à terminer. Mais c'est pas grave puisque c'est fini, c'est tout ce qui compte, non? Je sais, mais... Ce n'est pas normal que tu aies dû finir toute seule. Mais mademoiselle, je veux surtout pas causer de problème. Tu n'y es pour rien du tout, Jem. Ça se passe entre moi et Tess. Quand je donne une punition, j'aime qu'elle soit bien appliquée. Et où est-ce qu'elle est passée? Je n'apprécie que très moyennement ton attitude concernant la punition que Jem et toi aviez à faire. Je ne comprends pas, mademoiselle. Vous deviez normalement l'effectuer toutes les deux. C'est ce qu'on a fait. Dans ce cas, tu voudras bien m'expliquer pourquoi tu n'as pas jugé nécessaire de venir ce matin pour aider Jem à terminer le travail? Quoi? Est-ce que par hasard, certaines circonstances exceptionnelles expliqueraient un comportement aussi indigne? Non, mademoiselle, bien. Mais donc tu ne verras pas d'inconvénient à faire une autre punition pour remplacer celle-là. Alors, je voudrais que tu aies la gentillesse de me préparer une petite expérience pour le cours de demain. Je t'ai fait la liste des solutions à préparer avec toutes les instructions, mais attention, certains de ces produits sont très dangereux. D'accord, mademoiselle, ce sera fait. Je dois dire que ça me surprend de ta part, je te croyais plus mature que ça. Encore une punition? Ah, c'est pas de bol. Nous avons droit à une éducation digne de ce nom. Les gens qui nous gouvernent pensent davantage à l'argent qu'à l'avenir des enfants de ce pays. Le ministre de l'Éducation veut sacrifier notre futur sur l'autel des sacro-saintes économies. Chacun d'entre nous a le droit de bénéficier d'une scolarité décente. Notre gouvernement a fait un autre choix. Pour lui, nous passons tous après l'argent. C'est pourquoi je propose que nous nous battions tous ensemble pour faire valoir nos droits devant les dirigeants de ce pays. Individuellement, nous ne pesons rien face à la machine étatique. Mais en étant unis, nous serons forts. Mais qu'est-ce que vous fabriquez là-haut, bon sang? Ça me semble relativement évident, monsieur Carson. Vous comptez peut-être rester les bras croisés devant la destruction de l'enseignement public, mais moi je vais me battre. Et qu'est-ce que vous comptez faire, perché là-haut? Je crois qu'au bout d'un moment, le ministre sera bien obligé d'écouter ce que j'ai à dire. Oh, ne soyez pas aussi naïve. Et faites-moi le plaisir de descendre tout de suite de là. J'ai le droit d'exprimer mon opinion. Vous êtes en train de montrer le mauvais exemple, Tania. Je m'attendais à mieux de votre part. J'en ai autant à votre service, monsieur. Bien dit, c'est ça. Si vous continuez à vous entêter de la sorte, je serai dans l'obligation de vous renvoyer. C'est ce que vous voulez? Faites-le, ça me fera de la publicité. Si vous voulez que je parte de là, monsieur, il va falloir employer la force parce que je ne bougerai pas. Voilà, je vous présente encore mes condoléances et j'espère que le service vous a convenu. Ah ouais, ça l'a fait. Ouais. Ceci vous appartient maintenant. Qu'est-ce que c'est? Les cendres de ton père. Votre père n'a pas précisé dans ses dernières volontés s'il souhaitait reposer dans une niche, mais je peux vous arranger ça si vous voulez. C'est quoi une niche? C'est un endroit où nous gardons les cendres. L'urne est conservée dans une niche sur le mur du crématorium et nous posons une petite plaque dessous. Hein?
Et combien ça coûte, ça? Le premier prix est de 1 500 $. Après, ça dépend de l'emplacement, de la niche et de la plaque. On va pas m'a laissé qu'un chèque pour les funérailles. Vous pouvez revenir quand vous aurez la somme. Ouais, on verra ça plus tard, alors. D'accord, bon courage. Merci. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ce machin? Oh, on trouvera bien. Viens. C'est quoi ce baroufle? Camarades, laissez un votre attention, s'il vous plaît. C'est encore ta gonzesse. Et quand est-ce que t'appelles l'asile des dingues pour qu'ils viennent la récupérer, mec? Super drôle, Denis, je suis mort de rire. C'est bon, lâchez-moi. Il se ridiculise complètement, franchement, ça te fout pas la honte? Que ce soit bien clair, je suis absolument pour rien là-dedans. Tu crois que je l'ai renvoyé là-haut, sérieux? Ah non! C'est le dieu de la protestation qui est venu la voir en rêve pour lui dire: Tania, mon enfant, monte sur le toit! Monte sur le toit et ne redescends que quand tout le monde aura compris que t'es totalement la ferme! La ferme! Tu sais ce que ça veut dire, la ferme, Denis? Oui. Souhaitez-vous vivre dans une société qui favorisera toujours les riches au détriment de la majorité? Ne vous laissez pas intimider par ce gouvernement élitiste. Battez-vous pour défendre vos droits. Ah ben quand même, je me demandais si tu viendrais un jour. Prends un pinceau. T'es pas sérieuse quand tu parles de squatter ce toit? Je croyais que t'étais montée pour m'aider, pas pour me démoraliser. Écoute, Tania, sincèrement, c'est génial que tu puisses te battre pour défendre tes idées. Et d'ailleurs, je t'admire pour ça. S'il te plaît, sois pas condescendant avec moi. C'est insultant, Marc. D'accord, je m'excuse. Mais tu as fait passer ton message, ça y est. Alors tu peux descendre maintenant. Ça sert plus à rien. Les gens commencent à parler de toi, tu sais. Tant mieux, ça veut dire que la nouvelle circule. Non, écoute. Je voulais éviter de te dire ça comme ça, mais en fait, tout le monde pense que tu es complètement ridicule. C'est ce que tu penses, toi aussi? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais ça va, Marc, j'en ai assez entendu. Salut Tania, désolée de pas être venue plus tôt, mais on n'était pas au courant. Ça veut dire que tout le monde me trouve pas ridicule de faire ce que je fais? Non, au contraire, il était temps que quelqu'un se décide à bouger pour défendre nos droits. Tania, je peux te voir une minute, s'il te plaît? Vous venez m'aider à fabriquer des pancartes? Bien sûr. Tania. Si vous manquez de peinture, il y en a plein là-bas. D'accord. Tiens, mange! Ça suffit, installez-vous à vos places. Où sont vos camarades? Ils font une réunion syndicale sur le toit de l'école, monsieur. Oh, ça devient ridicule. Vous voulez un conseil, monsieur? Rétablissez les sévices corporels. Non, vous verrez, ça les calmera. Et puis, si vous avez besoin de main-d'œuvre, comptez sur moi, monsieur. J'adore les tortues. Ça suffit. Bon, eh bien, tant pis pour les absents, alors. Je vais commencer par ramasser les dissertations. Vous faites rien pour les déloger? Ça veut dire que vous êtes d'accord avec eux? Non, mais je ne peux pas les obliger à prendre les cours au sérieux. S'ils veulent compromettre leur chance au bac, c'est leur problème. Mais ils devront assumer leur choix. Où est votre dissertation, Denis? Mon chien l'a bouffé, monsieur. On est en cours de lettres, j'attends des excuses un peu plus créatives. Ah bon, d'accord, j'avoue, je l'ai mangé. Très drôle. Je vous jure, c'est vrai, j'ai pas résisté, ça avait l'air tellement appétissant. Vous me ferez votre devoir pendant l'heure du déjeuner. Vous croyez que c'est prudent, monsieur? Il sera midi, et je vais avoir super faim. Et s'il n'est pas sur mon bureau après le déjeuner, vous le ferez en retenue. Pendant le goûter. Bien, vous allez maintenant me faire un devoir dans lequel vous comparerez les deux poèmes que nous avons étudiés hier. Le tout sur une feuille recto verso, au travail. Et voilà, on s'est encore fait avoir. Tu sais que ta gonzesse, elle est pas aussi débile, finalement? Quoi? Où est-ce que vous allez, Denis? Sur le toit. Ne soyez pas ridicule, rasseyez-vous, vous avez du travail. D'accord. Oh non! J'ai décidé de protéger mon avenir à la place. Qu'est-ce que vous voulez? Chacun ses priorités, monsieur. Tu t'amuses bien? On dirait, en tout cas. T'es quelqu'un de faible, Tess. C'est pitoyable à voir. Pourquoi tu ne me laisses pas tranquille? Parce que je prends un pied d'enfer à te mater en train de souffrir. Tu es vraiment diabolique, tu sais. Diabolique. Ça, c'est marrant. Surtout de la part de quelqu'un qui ressemble à Satan. Où est-ce qu'ils sont, tes cornes, hein? J'aimerais que tu me fiches la paix, s'il te plaît. Oh, je te l'ai dit, j'adore te regarder pleurer tout ce que tu sais. Franchement, tu t'es regardé? T'es qu'une pauvre malade, tu le sais, ça? Pourquoi est-ce que tu rends pas service à tout le monde en te balançant sous les roues d'une voiture? Eh, hey, c'est ça! Va dans ton coin, chialer! De toute façon, tout le monde s'en fout!
de constater que vous n'avez pas rejoint les contestataires. J'aurais cru que vous seriez parmi les premiers à faire grève. Ce n'est pas parce que moi et Tania sortons ensemble que nous partageons obligatoirement le même avis sur tous les sujets. Oh oui, bien entendu, mais je sais que dans ce genre de situation, il est toujours facile de succomber à la pression de la personne qu'on aime. Ça montre que vous avez du caractère. Vous savez, je ne fais pas ça par pur esprit de contradiction. Je crois seulement que ça sert à rien de protester de cette façon. Oh, je dois bien avouer que je suis complètement de votre avis. Ouais, dommage que vous soyez le seul à être d'accord avec moi. Vous ne pouvez pas les laisser là-haut, il faut faire quelque chose. Je ne m'inquiète pas pour ça. Dès que la nuit tombera, ils descendront d'eux-mêmes de leur perchoir, croyez-moi. Que refusons-nous ? Un sou ! Que voulons-nous ? Des sous ! Que refusons-nous ? Un sou ! Que voulons-nous ? Des sous ! Que refusons-nous ? Moins de sous ! Que voulons-nous ? Des sous ! Que refusons-nous ? Moins de sous ! Que voulons-nous ? Des sous ! Que refusons-nous ? Tu fais quoi, là ? J'essaie de trouver des nouveaux slogans. Ah ouais, génial, j'en ai un. Monsieur le ministre, tes restrictions, tu sais où tu peux te les mettre? On manifeste, Denis, on va pas se faire arrêter. Ah ouais, c'est pas faux. Dis donc, combien de temps on va rester ici? Encore une heure ou deux, là? Plus que ça, on commence tout juste. Attends, tu comptes pas nous faire passer la nuit ici, j'espère? On n'a pas le choix si on veut que le ministre nous prenne vraiment au sérieux. Tu sais que ça caille la nuit en cette saison? Oh, je sais, avec un bon duvet, tu survivras. Ouais, ouais, d'accord. Super. Le temps que je vais dormir avec plein de minettes. Non, non, c'est génial ton idée. Je sens qu'on va pas s'ennuyer. Ce qui m'étonne, c'est que tu nous aies rejoints. En montant, t'as reconnu que tu t'es trompé au départ. Ouais, pas du tout. Je défends toujours les causes justes. Excusez-moi, mesdemoiselles, souhaiteriez-vous partager mon duvet cette nuit? On cédera chaud comme ça, non? Tania, je voudrais pas casser l'ambiance, mais il y a plus personne en bas. On est en train de manifester dans le vide. Ouais, je sais, mais t'en fais pas pour ça. Je me suis occupée de faire tout ce qu'il fallait. Surtout, il faut qu'on tienne, d'accord? Et demain, ça va être un grand jour. Super. Papa? Oui? Qu'est-ce que tu ferais, toi, devant une personne qui refuserait obstinément de s'entendre avec toi? Eh bien, si je tenais vraiment à m'en faire une amie, je m'efforcerais de parler à cette personne pour tenter de comprendre ce qui ne va pas. Mais imagine qu'elle refuse de t'écouter. Dans ce cas, je crois que je dirais tant pis pour elle et je passerai à autre chose. Mais si elle refusait de te laisser tranquille, comme si elle avait pour mission de faire de ta vie un enfer. Eh bien, j'aurais pitié pour elle. Celui ou celle qui fait ça ne doit pas être bien heureux dans la vie. Quelquefois, ça demande plus de courage de tendre l'autre joue. C'est vraiment ce que tu penses? Eh bien... J'ai besoin d'une réponse honnête, papa. Je viens de te la donner. Je tendrai l'autre joue. Ensuite, je m'assurerai que personne ne me voit et je lui donnerai une leçon dont elle se souviendrait longtemps. De bonnes images ici, on a tout ce qu'il faut. On va attaquer par un travelling qui partira du toit pour finir en gros plan sur la banderole. Vous en avez mis du temps pour venir. Bonjour, c'est toi qui mène cette grève? Oui, monsieur. On peut avoir un peu d'action alors? D'accord. Allez, au travail les gars. Tout le monde debout, faites chauffer vos cordes vocales, c'est super important, on a l'occasion de faire parler de nous. Denis, réveille-toi, on a du travail. Hein? Ah, salut poupée. Hé. Ne me touche pas, sale pervers! Qu'est-ce que tu faisais dans mon duvet, espèce de petit morveux? Je crois pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est bien celui-là? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Rien, je change juste de canapé. Celui-là est plus confortable. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ce truc-là a des yeux, ils sont fixés sur moi. Non, ce truc-là n'a pas d'yeux, c'est une urne remplie de cendres. Il y a un être humain là-dedans, d'accord? Franchement, ça te fait pas flipper? Non, pas du tout. Tu veux que j'en parle à Drasik? Tu me parles de quoi? Zach croit que ton père le regarde.
T'inquiète pas, vieux, il veut juste un bout de ton sandwich. Excuse-moi de te demander ça, mais tu comptes le garder ici à demeure? Tu veux l'obliger à payer un loyer? Écoute, tu vas peut-être me prendre pour une chochotte, mais je pourrais pas supporter ce truc-là. Je vous cherchais, mademoiselle. Oui, je viens juste de passer par le labo. Je te félicite, tu as fait un travail très méticuleux. Oui. Oublions toutes ces histoires de punition et passons à autre chose. J'ai un aveu à vous faire pour la punition. Je n'ai pas fini la tâche que vous m'aviez donnée hier. Mais je viens de passer au labo, tout est bien en place. C'est parce que j'aime m'a apporté son aide. Quoi? Quand vous m'avez dit que ces produits étaient dangereux, j'ai commencé à avoir peur. Surtout de me tromper dans les mélanges. Et Jem m'a dit qu'elle s'y connaissait bien et m'a proposé de les faire à ma place. Je n'aime pas beaucoup cette façon de faire. Je sais que ce n'est pas bien, mademoiselle, mais... Jem s'est montrée horrible avec moi ces derniers temps, alors elle m'a proposé de m'aider pour se faire un peu pardonner. Bon, entendu. Ça va, je veux bien passer l'éponge. On en restera là pour cette fois. D'accord. Mais tu lui dois une fière chandelle. J'espère que tu le sais. Oui, bien sûr. On se voit au cours tout à l'heure. Oui, mademoiselle. Merci. Viens avec moi. Pour l'école. Pour l'école. Vous êtes le proviseur? Vous vous trouvez dans le périmètre d'un établissement scolaire. Vous n'avez pas le droit de filmer sans autorisation. Avez-vous encouragé vos élèves à prendre position contre les mesures du ministère? Non, en aucun cas. Le mouvement a commencé hier matin et vous n'avez rien fait pour y mettre un terme. Cela signifie-t-il que vous soutenez l'action de vos élèves? Excusez-moi. Pour l'école. Un proviseur qui prend le parti de ses élèves. Étrange et pourtant vrai. Toute la question est maintenant de savoir si le ministre de l'Éducation va s'obstiner à ignorer consciemment tous ses élèves. Ouvrez immédiatement cette porte! Ah, et ben, finalement, vous êtes là, monsieur. Tout le monde se demandait si vous alliez venir. Je ne suis pas d'humeur à plaisanter, Denis. Ouvrez. Et s'il vous plaît, alors? Hein, votre mère vous a pas appris les bonnes manières, monsieur? Si vous êtes contre nous, vous feriez mieux de vous en aller. Ouais, barrez-vous. Écoutez, vous ne pouvez pas rester ici, c'est contraire aux mesures de sécurité de l'école. Si jamais il arrivait quoi que ce soit, c'est moi qui serai responsable. S'il vous plaît, ne restez pas là. Ah, faut pas vous en faire, monsieur, d'accord? On a décidé d'utiliser le suicide collectif uniquement en tout dernier ressort. Vous ne me laissez pas le choix. Si vous ne descendez pas immédiatement, j'appellerai la police. Ah ouais, ça fera super au journal télévisé. Je vois ça d'ici. Un proviseur fait appel aux forces de police pour brutaliser des élèves qui manifestent pour sauver leur avenir. Mais c'est absurde. Ah oui, vous croyez? Non, c'est très simple, monsieur. Soit le ministre nous reçoit, soit nous poursuivons l'occupation. Alors faites-lui passer le message, Carson. Allez, au revoir, Alan. À la prochaine. Durant les cours à venir, nous allons étudier dans le détail les réactions chimiques de toute une série de métaux. Je vous montrerai d'abord comment mener correctement l'expérience. Vous les referez ensuite par petits groupes de 3 ou 4. Allons-y. Jem, vu que tu sembles experte en la matière, veux-tu bien être mon assistante, s'il te plaît? Hein? Est-ce que tu peux venir et m'assister pendant l'expérience? Vous voulez pas prendre quelqu'un d'autre? Fais pas prier, vas-y, quoi. Jem, je vais te demander quelque chose, je te prie de te dépêcher. Allez. On n'a pas que ça à faire. Mais fais ce qu'on te dit. Bien. Au trop. Pour la première expérience que nous allons mener, nous étudierons la réaction du calcium lorsqu'il est mis en contact avec de l'eau. Ce n'est pas la peine de mettre trop de produits. Mademoiselle, je viens de me rappeler que j'avais oublié un truc. Je m'en moque, viens ici. Bon. Dépêche-toi. Bon, allez. Tu te mailles, s'il te plaît, Jem. On va jamais y arriver avec elle. C'est pas vrai. À toi de faire. Mais c'est pas possible, Jem. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui à être aussi empoté? Elle a fumé ou quoi? Surtout faites attention. La réaction obtenue par le mélange est relativement instable si vous dépassez les 12. Allons-y. Waouh, mademoiselle! Mademoiselle, vous n'avez rien? Quand vous disiez instable, c'était pas une vue de l'esprit? Est-ce que tu as mis de l'acide dans ce récipient? C'est très sérieux, Jem. J'aurais pu être blessée. Tu aurais pu blesser tout le monde! Pourquoi c'est moi qui prends alors que c'est Tess qui a préparé l'expérience? Je sais parfaitement que c'est toi seule qui l'a préparé. Alors je n'ai aucune idée du petit jeu débile que tu es en train de mener. Mais là, tu as dépassé les bornes. Sors immédiatement. Plus vite que ça. T'es malade ou quoi? Tu devrais aller voir un psy, tu sais. Elle est à la masse. Monsieur Carson, je me présente, Jeffrey Wood, conseiller du ministre. Oui, je sais qui vous êtes. Et que puis-je faire pour vous? Une horde de reporters vient d'investir le bureau du ministre en nous demandant de réagir à la manif qui se déroule sur votre toit.
Oui, je réalise que la situation est un peu gênante. Si je peux me permettre, elle est carrément insupportable, Monsieur Carson. Je suis vraiment désolé, et je peux vous assurer que je fais de mon mieux pour ramener l'ordre ici. Je dois être honnête avec vous, Monsieur Carson. La situation n'est pas bonne du tout. Eh bien, je pense qu'après votre conférence de presse aux médias, tout devrait rapidement rentrer dans l'ordre. Sauf que nous ne ferons pas de conférence de presse. Le ministre ne pense pas avoir besoin de parler aux médias. Il croit que vous êtes capable de régler la situation sans son intervention. Mais les élèves ont été très clairs. Ils n'accepteront d'arrêter le mouvement qu'à une seule condition. Ils demandent simplement à Monsieur le ministre de prendre en compte leurs remarques. De mon côté, je ne peux pas faire grand-chose, Monsieur Wood. Je n'ai aucun poids. Alors attendez-vous à de gros problèmes, Monsieur Carson. Parce que nous comptons sur vous pour régler tout cela. En cas d'échec de votre part, les élèves ne seraient pas les seuls à devoir subir les restrictions budgétaires. Marc, il faut que Tania cesse ses revendications et descende immédiatement. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, monsieur? Je veux que vous tentiez de la convaincre. J'ai déjà essayé, monsieur, mais elle ne m'écoute pas. Essaye d'être plus convaincant, alors. Marc, ce serait vraiment dans l'intérêt de tous qu'elle accepte de mettre un terme à cette situation. Sauf si elle cherche à être expulsée, évidemment. Parce que c'est ce qui les attend tous s'ils préfèrent continuer à jouer les leaders syndicaux. Ils peuvent faire une croix sur le reste de leurs études. Merci, Monsieur Wood. Je vais m'en occuper. Eh bien, occupez-vous-en un peu plus vite, alors. Écoutez, Marc, vous êtes son petit ami, alors vous devez bien savoir que lui dire, non? D'accord, monsieur, je vais essayer. Que voulons-nous? Des sous! Que refaisons-nous? Trois sous! Que voulons-nous? Des sous! Ah, monsieur Viali! Je croyais que les manifs, c'était pas du tout ton truc, mon vieux. Il faut que je voie Tania tout de suite. Ah ouais? Eh ben, elle est très occupée pour l'instant, alors tu repasses. Non, mais attends, tu te prends pour sa secrétaire? Eh bien, gentil, tu me lâches, pauvre naze. Quoi? Des sous! Que refaisons-nous? Moins de sous! Que voulons-nous? Des sous! Que refaisons-nous? Moins de sous! Que voulons-nous? Des sous! Que refaisons-nous? Moins de sous! Il avait intérêt à ce que ça marche. Marc est un garçon sensible, il trouvera sûrement des mots. Oui, eh bien, il faut l'espérer. Le ministre n'est pas aussi compréhensif que moi. Ah, le voilà. Ce que tu fais là, je croyais que t'avais une réputation à préserver. Écoute, je reconnais que j'aurais pas dû réagir comme ça. D'accord, mais je trouverais ça vraiment dommage que ça remette en cause tout ce qu'il y a entre nous. Je crois qu'on devrait parler. Pourquoi? Il me semble que tu t'es montré assez clair là-dessus. On n'est pas d'accord sur un truc, c'est tout. T'as l'intention de me jeter parce qu'on partage pas la même opinion, écoute, c'est ça? Je suis navrée, j'ai pas de temps à perdre. Tania, pourquoi est-ce que tu m'en veux? Dis-le-moi. Tu as gagné, d'accord? Félicitations. Mais il ne s'agissait pas de se battre. Mais alors de quoi il s'agit, bon sang? Dis-le-moi, j'aimerais que tu m'expliques. Je veux comprendre, dis-le-moi. Ça peut peut-être pas marcher entre nous deux. Peut-être qu'on est trop différents. C'est des conneries, tout ça. Tu le sais très bien. Non, j'y ai pas mal réfléchi et je sais pas si j'ai envie de sortir avec un mec qui se fiche complètement de tout et des autres. Non, je ne me fiche pas de toi. Tania, ça compte pour du beurre, ça, franchement? Ce sont des mots, tout ça, Marc. Si tu veux que je te croie, il va falloir le prouver par les actes. J'en avais encore pour longtemps, Carson. J'ai un rendez-vous important dans à peine une heure. Je n'en sais rien, ça ne devrait plus être très long. Que voulons-nous? Des sous! Que refusons-nous? Moins de sous! Que voulons-nous? Des sous! Qu'est-ce qu'il fait? Que refusons-nous? Moins de sous! Vous pouvez commencer à préparer votre retraite, Monsieur Carson. Votre carrière ici est terminée. Mais ça ne vous arrive jamais de la fermer? À qui est-ce que vous croyez parler? Je peux faire de votre vie un enfer. Qu'est-ce que le ministre répond à ces manifestants? Aucun commentaire. Nous venons d'apprendre que d'autres lycées à travers le pays viennent également de se mettre en grève. Le ministre va-t-il continuer à ignorer la gronde des manifestants? Je vous ai dit aucun commentaire, d'accord? Apparemment, le ministre aurait refusé de prendre la pétition des lycéens. Vous confirmez? Jusqu'où les élèves devront-ils aller pour que le ministre écoute enfin ce qu'ils ont à dire? Ne croyez-vous pas qu'ils ont droit à des réponses? D'accord, d'accord. Nous écouterons ce qu'ils ont à dire. Des sous! Que refusons-nous? Moins de sous! Que voulons-nous? Des sous! Il paraît que tu es de corvée de nettoyage des labos pendant un mois. Pas de bol? T'es gentil, tu dégages. Je t'aurais volontiers proposé mon aide, cher Jem. Mais je ne suis pas très sûre que tu le mérites vraiment. Ne compte pas t'en tirer comme ça, je te ferai payer, Tess. Laisse tomber, Jem. Pour une fois dans ta longue existence, tu n'es pas parvenu à tes fins. Accepte-le. Mais c'est pas fini, Tess. Tu n'as pas encore gagné. Oups. Tu seras bien gentil de nettoyer, chérie.
nous avons notre mot à dire sur les décisions qui sont prises. Cette pétition est l'expression de notre position. Ouais, vas-y, Tania, mais il naît dedans, ce vieux bureaucrate à la noix. Ce qu'on demande depuis le début, c'est juste que le ministre nous écoute. Ouais, allez lui dire d'enlever la cire qu'il a dans les oreilles, hein. Nous n'accepterons de cesser le mouvement que lorsque vous nous prendrez au sérieux. Je viens de parler au ministre, il a décidé de prendre en considération les remarques que vous lui ferez. Tant mieux, parce que la prochaine fois, ce sera son toit qu'on ira investir. Ouais, et dites-lui qu'on se servira de sa cheminée comme cabinet, ça lui fera tout drôle. Priez pour que le ministre ne soit pas rancunier, Carson. Ah, on a gagné, les mecs! On a gagné! Denis, votre empressement à défendre l'éducation nationale m'a épaté. Oh, merci, monsieur. Je compte sur vous pour me remettre votre devoir à la première heure demain matin, n'est-ce pas? Mais oui, bien entendu, monsieur. Oui, je n'y manquerai pas, oui. C'est là que tout se termine, alors, c'est ça? Ben, c'est un peu l'idée, oui. C'est le moment du dernier adieu. Bon, ben, on y va, alors. Non, Drazik. Je crois que c'est quelque chose que tu dois faire seul. Je sais pas ce que je dois faire, ni ce que je dois dire. Si je te fais confiance, tu trouveras bien quelque chose. Papa, je sais que t'adorais pêcher. Alors je me suis dit que ça te ferait plaisir de finir ici. Je sais aussi que la vie n'a pas toujours été facile pour toi. Mais j'espère que là où tu te trouves à présent, tu es finalement heureux. Tu vas vraiment me manquer. Je t'aime, papa.